Effectivement, nous tous connaissons, même dans toute société à temps d'élit, dans la période fin année 2016, là, tu as gagné vraiment tout un branle-bas, un focus qui t'est fait dans la prison, surtout ça nous relait pénitencier national. Et focus ça, ça nous relait en gros français, regard qui t'est gagné, hein, il était ciblé un angle. Et angle ça, c'était décès détenus qui sont en prison. Ça veut dire tout le monde t'a dit qu'il y a un monde qui mourit dans la prison, un pile détenu mourit dans la prison, et là tout le monde t'a posé question qui ça problème ça y est, pour qui ça li comme ça. C'est normal dans toute société qui gont l'état qui a dirigé li, faut que tu gagnes des décisions qui prend pour arriver déterminer qui ça qui information. Est-ce que gagnons vérité là-dedans qui s'allie exactement. Et président République là, son excellence Jovenel Moïse qui était conscient des situations, il était tout de suite passé à l'action et il était formé une commission que nous relais commission présidentielle d'enquête sur la situation carcérale en Haïti, qui gagnait un sigle CPSK. Commission a gagné mandat pour lui 3 mois. Dans le mandat 3 mois, ça, il a gagné pour te présenter à travers arrêté présidentiel là, il a gagné pour te travailler à travers 2 thèmes de référence. Le premier thème de référence, c'est enquêter, identifier cause décès ou détenu qui a dit qu'il a mouru dans la prison pénitentiaire nationale. Maintenant, pour te faciliter la tâche méthodologique question 1, il y a une limite qui c'est pour aller chercher entre période septembre 2016 à février 2017. Ça te banon 6 mois. C'est sous 6 mois ça, commission a été gagnée pour l'enquêter sous cause décès détenu. Deuxième thème de référence, c'est un thème de référence qui est systémique, qui est structurel. C'est enquêter sur la situation carcérale en Haïti. C'est très important pour nous capables de faire démarcation ça entre 2 thèmes de référence. Nous avons un premier thème de référence, identifier cause décès qui était survenu dans la prison dans la période 6 mois. Il paraît nous un thème de référence conjoncturel. Et puis deuxième, non, qui est très structurel, systémique. Donc c'est 200 degrés pour le travail. Qualité de travail que nous avons pour nous remettre là, t'es exigé que nous te mette en pile accent, parce que c'est très important puisqu'il s'agit de mot d'homme, c'était mettre accent sur cause décès détenus. Et jusqu'à présent, présentation que nous avons fait aujourd'hui, nous relais, comme arrêté à dire, y a un rapport d'étape. Rapport d'étape qui centré sur le premier thème de référence que je dis, qui est cause décès dans la prison. Donc d'abord, la commission a défini une méthodologie à travers une question centrale qu'elle t'a posée. Est-ce que tu as gagné effectivement décès dans la pénitentiaire nationale? Si tu as gagné décès détenu dans la pénitentiaire nationale, combien de détenus que tu as joué qui effectivement décédé et qui cause décès ça? C'était question que la commission a posé lui-même à travers question ça et libral fait enquête. Effectivement, nous avons déployé sur le terrain. La commission a été rendue dans le pénitencier, il fait recherche,
les rencontrer des acteurs à travers une méthodologie à la fois qualitative et quantitative qui te permette que nous déceler n'a répondre pénitentiaire nationale c'est une agglomération il gagne en pile détenu qui l'a donné. Li vin en centrale côté que toute province prison province a voye moun la donne donc li vin surchargé c'est ça que moun y a pris dans gros français nous t'a dit nous gagner en surpopulation carcérale en pénitentiaire nationale nous fait attention à langage là m'pap di m'gon surpopulation carcérale générale parce que vraiment c'est pas ça que n'a dit mais n'a dit nous gagner en surpopulation carcérale en pénitentiaire nationale par rapport à recevoir qu'elle recevoir dans différents centres carcéraux dans le pays, plusieurs détenus qui viennent là-dedans. Pour diverses raisons techniques que la commission n'a pas besoin de discuter là, parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour le dire dans le rapport final. Nous sommes dit à l'heure, la question c'était est-ce que tu as des gens mourir? Nous jouons nous-mêmes dans le fichier que la pénitentiaire nationale, la direction pénitentiaire nationale partagée avec nous, dans la période septembre. À février 2017, pendant 6 mois, nous jouons gagner 44 personnes qui mourent dans la prison. Donc, c'est ça que nous gagnons comme information, comme fichier de détenus décédés à l'intérieur de la prison civile de Port-au-Prince, communément appelée pénitentiaire nationale. Maintenant, quelle était une personne? Quels étaient deux détenus? Quels étaient trois détenus? Ce n'est pas la quantité qui intéresse nous, c'est la cause. Nous arrivons à joindre par rapport à la condition de vie que nous vivons dans la prison, hein? Par rapport à la surpopulation carcérale, nous disons qui gagne, hein? Gagne un ensemble d'épidémies qui ont développé à l'intérieur de la prison. Épidémie, ça y est. Que ce soit choléra, que ce soit tuberculose, et il y a des langages techniques qui disent nous avons beri-beri, ok? Ça qui a un lien avec des nourritures, les gens mangent du riz en trop, ils ne jouent pas l'autre, ok? Une bonne alimentation, ça a une cause, une maladie qui développe la caille, qui fait qu'on vient gagner des cas qui mourent. Mais nous jouons tout, ce n'est pas cause maladie ça seulement, gagnons un problème de nutrition qui posait en prison, hein, puisque gon mauvaise alimentation. Et mauvaise alimentation, ça a, li sorti exactement dans la chaîne de fournisseurs, côté que gon ban moun ici, qui fait tête yo passer, kap signé de contrat sa yo, manger ke yo bay yo, le plus souvent. Donc, nous ne venons pas gagner une alimentation qui varie, puisque le corps a besoin de toute forme d'alimentation. Nous venons trouver une situation où les gens ont mangé, ont seulement mangé deux fois ou trois fois en dans prison. Hein. Donc, nous venons de problème, développer problème de nutrition. Et lorsque la nutrition est sévère, elle est aiguë, elle a causé la mort, même genre, à toute maladie. Maintenant, nous-mêmes, qui ça nous dit? Nous fait à travers ça que nous jouons là, nous dit étant donné que l'on signe des contrats pour capable bailler différents types d'aliments et que ou pas bailler quantité d'aliments pour bailler là, vinn gon problème au niveau des fournisseurs. Et là nous découvri qu'on veut le pas veut, nous on fait des systèmes de corruption. M'pas besoin connait, m'pas parlement de que si moun nan de connait ou bien pas connait parce qu'on te signé pour bailler tel type de d'aliments, sous bailler une seulement, il vinn pas varier. Donc nous-mêmes nous considérons que ou pas respecter contrat. Et là nous-mêmes nous fait des recommandations à l'État. Nous joignons tout quantité moun que yo te dit y a fait des funérailles pour yo, li pas correspond à nombre là puisque nous dit dans la période là nous joignons 46 moun comme fichier moun qui malade et qui mourir en dans prison. Hein? Donc li vinn gagner un problème qui pose. Et nous déterminer que l'État te débloqué des fonds pour l'organisation des funérailles. Et dans le fonds,
Il était supposé destiné à des institutions d'entreprise funéraire, mais jusqu'à présent, nous-mêmes comme commission d'enquête, nous pas remplacer la justice, nous faire des recommandations pour répondre avec tout ça. Parmi recommandations qu'on fait, l'enfin déterminer cause décès pour 44 moun sa yo qui mouri en dans prison que nous gen fichier pour yo, nous rendons nous compte de façon méthodologique, nous clair tout que nous joignons dans moun sa yo qui mouri gen en pile la dot pour juger. Donc problématique détention préventive prolongée a li poser, puisque c'est vrai ou pas pral dire comme une cause immédiate qui fait moun nan mouri, mais si moun sa te rete jugé ou bien t'a libéré, d'accord, ou bien t'a condamné, il t'a bon statut en dans prison, hein? Li probable que gen va gen moun ki mouri ki gen va pas t'a mouri la kaeli, il va t'a besoin mouri dans prison s'il te rete jugé. Nous attaquer question détention préventive prolongée à tout. Donc à travers un ensemble d'éléments qu'en déterminer comme cause fondamentale de ça yo, et à travers cause ça yo, nous faire des recommandations à président République là tout qui pral prendre des mesures à travers équipe gouvernementale li pour yo capable tout de suite al travail en dans prison pour remédier à situation ça. Nous faire des recommandations à travers plusieurs thématiques, que ce soit à travers la détention préventive prolongée, nous faire des recommandations là-dedans yo, que ce soit à travers la corruption qu'en déterminé dans question chaîne de fournisseurs et organisation de funérailles, nous faire des recommandations là-dedans yo, que ce soit à travers la question logistique et approvisionnement, ça dit déjà sur question fournisseurs yo, nous et faire des recommandations, que ce soit à travers les différentes formes d'alimentation, nous faire des recommandations, nous faire recommandations qui concernaient aussi des services médicaux, parce que nous rendons nous compte en dans pénitentiaire national pas gagner ça ne relais un dispensaire qui ca répondre à besoin moun yo. Et tout de suite m'a répondre pour nous dire tout les moun yo malade, quel que soit yo sorti dans différentes prisons dans république là, yo tout vini dans pénitencier. Or là yo rive dans pénitencier, pénitentiaire national pas ca répondre à besoin yo parce qu'il pas gagner l'hôpital spécialisé, il pas gagner un dispensaire spécialisé. Donc voilà que l'hôpital général dans période là qui en grève, moun sa yo vin rete, yo pa ka joine soin que yo besoin, donc y a pourri quand même. Et à ce point, nous fait des recommandations qui touchent des services médicaux. Il est important pour yo tenir compte de efficacité service médical qui gagne en dans prison entre. Nous fait des recommandations sur le plan psychologique toi, hein? Les mental moun nan li attaqué ou ka trouvo dans situation côté que moun sa li n'a pas voulu prendre médicament, il ne doit pas voulu manger puisque mental li attaqué. Donc les ça ou besoin service social, un service psychologique qui prêt qui pour prendre moun nan en contre. Nous gagnons nous fait des recommandations sur le plan de réinsertion. Nous fait des recommandations aussi sur les questions de décès qui doit prendre en charge, ça n'est les organisations des funérailles. La loi définit qui gens les ont détenus mourir dans prison, comment pour reprendre en charge. Nous dit si c'est pas parent qui réclame colis, prison en direction prison en contact en rapport avec le commissaire du gouvernement à prendre des décisions pour yo informer autoriser autorité municipale côté moun yo mouri pour faire qui pour organiser yo. Donc acteur yo la loi définit yo déjà. Alors à travers tout élément ça yo, nous fait une recommandation judiciaire qui concernait, parce que nous-mêmes nous pas qu'à faire enquête judiciaire, commission pas de gagner pour faire enquête judiciaire, li gagner pour te enquêter sous cause yo et puis faire des recommandations à président république là. Donc nous pas qu'à faire enquête judiciaire dans cas que nous joignent qui gagne rapport avec la justice, surtout la justice pénale yo. Nous faisons des recommandations aussi à président Cap Guinée pour le déconseiller avec l'équipe gouvernementale là pour al mettre recommandations ça yo pour faire sa mairie des mises en œuvre al mettre en exécution. Voilà comment situation a yé
et qui ça nous gagne toujours par rapport à premier thème, c'est important, question qui nous à premier thème de référence pour lui. Et nous tout dit, c'est un point de presse, mais étant donné que chef de cérémonie, donc animatrice, t'a dit, son conférence de presse, donc nous sommes capables de gagner chance de prendre. Trois questions. Deux questions. Voilà, deux questions. Ok. Parce que nous obligés rapidement aller travailler. Ou après là, s'il vous plaît. Ou après nous pas gagner tout le monde là. Parce que pendant notre présentation là, travail commission a continué. Parce que nous obligés sous les lieux dans différents centres CACEO pour nous enquêter sur le deuxième thème de référence. Merci. On a trois journalistes qui prennent là, donc on a pris trois questions. Et est-ce qu'on a présenté où, les médias, et puis poser questions. Merci. Et nous connaissons, dans la pénitentiaire nationale, il y a plus que ça qui est mort, que vous-même vous faites constater tout. Mais est-ce que la commission va arriver à découvrir et qui côté reste le cadavre qui a sorti? Parce qu'il y a plus que ça qui mourit dans l'époque là, et même des funérailles qui étaient organisées pour vous. Ou parler tout des chèques tout qui t'a débloqué, l'État t'a débloqué pour organisation funérailles ça yo. Et alors de qui est-ce qui t'a changé chèque ça yo? Merci beaucoup. Ishitala, c'est président commission CPSK. Toute réponse, tout ça que m'gen m'a dit là, il est engagé le président de la commission et non le commissaire du gouvernement. Donc c'est important, c'est même gentou, il y a le citoyen, il y a le commissaire du gouvernement, il y a le président de la commission. Effectivement, questionnant, li gagne une réponse en un rapport que nous faisons. N'a juste fait attention. L'on dit quarantaine, l'on dit 44. On doit choisir de façon littérale pour dire 44, pour dire quarantaine. Moi-même, moi dit dans la recherche que j'ai fait de façon scientifique, commission a fait dans la prison, li joine 44 moun. Donc, d'accord, de façon littérale, on dit quarantaine. Quarantaine. Puis, il y a 45, 48, 49 qui quarantaine. Je dis 44 fichiers que je gagne. Bien. Est-ce que je peux répondre? Qui côté reste cadavier? Je ne peux pas gagner pour me dire ça parce que je ne peux pas spéculer. Je gagne pour me respecter. Ça me joint dans la recherche. Moi, c'est ça. Je vais apprendre moins l'école. Je ne peux pas dire l'autre bagaille. Donc, il y a libéral gagner responsabilité à des gens qui te gagné. Des chiffres augmentés pour dire à la société haïtienne qui côté joindre. Sauf que, précision, que je capote comme enquêteur, je rends compte que j'ai une confusion, que je relève confusion volontaire. Maintenant, par confusion volontaire, ou choisi pour créer une confusion juste pour capable gagner, augmenter un nombre, que ce soit de façon. Pour créer des sensations. Parce que, gagne un problème. Morgue l'hôpital général, qui morgue l'État, qui t'a supposé recevoir moun, corps de moun, qui mourit dans la rue, que parents pour qu'on récupérer, que ce soit de façon violente, ou bien tout moun nan gen d'agon maladie, c'est dans la rue, il y a le mourit, parents pas qu'on connaît. Donc, c'est l'hôpital général qui a une mission, comme l'hôpital d'État, comme morgue d'État, pour capable mettre les gens, identifier les gens, et en attendant que les parents les réclament. Puisque morgue l'hôpital général a un dysfonctionnement, ça veut dire actuellement qu'on travaille des réparations qui ont fait dans morgue l'hôpital général, maintenant l'hôpital général lui-même, en tant que l'État, obligé, fait des contrats avec des entreprises funéraires pour comment ça yo. Et là, je ne vais pas parler de détenus, là, hein. Je vais parler de façon générale. Maintenant, en même temps, l'hôpital général obligé tout de suite permettre à la pénitentiaire nationale bénéficier à l'intérieur de ce contrat, puisque c'est l'État, automatiquement gagner un détenu qui est décédé, prison 1, à prendre contact au nom de l'hôpital général. Avec entreprise là pour recevoir moun sa détenu qui mourit dans la prison. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la sensation? Est-ce qu'il s'agit d'une surmédiatisation? Parfois dans la conceptualisation, mais dans aide moins. Donc, confusion ça, yo mélanger moun qui mourit
général avec un monde qui a un statut de détenu et puis n'a pas organisé funérailles. Deuxième élément de la question, c'est oui, le ministère de la Justice, jusqu'à présent, c'est vrai, dans l'approfondissement enquête nous pas le gagner, ou bien la justice pas le gagner pour le vérifier lui-même, c'est pas nous-mêmes, c'est pas commission, la justice pas le gagner pour le vérifier. Mais là, nous gardons nous-mêmes, dans la rubrique, ok? Dans la rubrique budget ministère de la Justice là, nous pas en quel côté pour fonds débloqués pour organiser funérailles. Parce que la loi dit, les détenus à mourir, yo informé par an, en attendant, on ne peut pas garder moi dans la prison, on va prendre des décisions, d'accord, provisoires. Si par an, pas réclamé quoi, la direction pénitentiaire nationale entre directement en contact avec le commissaire du gouvernement, qui autorise la municipalité, ça nous est les maires là, pour organiser funérailles pour Mounio. Maintenant, nous, ce n'est pas ça que tu fait, puisque nous rendons compte, c'est des entités, des acteurs qui n'ont rien à voir dans la question, qui n'ont rien comme attribution, qui prennent charge pour organiser funérailles. Et dans le cas ça, nous jouons que l'État débloque des fonds pour faire funérailles. Oui, on a l'autre de qui est, ils émettent chèque, yo. Yo doit émettre chèque là à yo émettre chèque là à l'ordre de yon responsable moi garder moi puisque c'est la justice qui va le faire enquête pour me pas citer des noms dans réponse que m'a ba oua pour me protéger identité des monde que la justice va le faire enquête li la justice pénale yo émettre chèque ça yo à l'ordre de responsable d'entreprise mais pendant n'a pas la voix là dans résultat enquête commission responsable d'entreprise ça yo pas jamais jouer un chèque ça yo, yo juste ba yo des montants cash, que yo les montants au comptant, pour monsieur comptable yo, yo ba yo des petits montants cash, mais chèque yo, yo changé dans banque l'État. Moi c'est Jean-Daniel Sénat pour Radio Magique 9 et le Nouvelle. Et un commissaire du gouvernement, et m'da remè qu'on est pas dans ce moment là, et d'abord, nous avons combien de monde qui gagne dans la pénitentiaire nationale, dans le dernier update ou gagne comme commissaire du gouvernement. Combien de dossiers par qui a lui-même les traités dans la semaine qui gagne rapport avec détenus pénitentiaire nationale. Et combien de libération qui sont dans la greffe par qui allait dans la pénitentiaire nationale pour capable libérer détenus et qui arrive à libérer. Et puis deuxième question, tout à l'heure vous parlez de fournisseurs, nous avons connaît exactement qui est ce fournisseur. Oui. Merci. Et ça vous me dit, en question qui vient de voler ou bien de questions? Parce que je me dis, on prend deux questions. Maintenant, on gagne droit, puisque je suis dans moi comme journaliste, on pose deux questions. Première question, je me tellement remène, sauf que. Depuis dans qui classe? Depuis dans la primaire. Il n'y a pas pour nous faire élocution, rédaction. Depuis on est hors du sujet, problème dans vos. Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le commissaire du gouvernement qui est là. Je ne peux pas répondre. Là, me dit je ne peux pas répondre. Côté mieux à là, parce que Pakea, il y a une salle de conférence. Lorsqu'il s'agit de parler de travail commissaire gouvernement, moins prêt pour moi répondre, pour me faire présenter toute information concernant le nombre de monde qui est en prison, le nombre de monde qui est libéré, combien de dossiers qui est en cap marché. Laisse ça. Ma pral fait avec le chapeau du commissaire du gouvernement. Deuxième volet question, hein? Effectivement, nous dit dans le rapport que nous, dans l'enquête nous, hein, nous joignons, il y a des fournisseurs qui ont deux contrats avec prison hein, via la police nationale d'Haïti. Nous rendons nos comptes nous-mêmes. Nous avons un problème de nutrition aiguë et sévère dans la prison. Hein, c'est parce que manger alimentation, une mauvaise alimentation. Mais la mauvaise alimentation est due dans la chaîne de fournisseurs qui gen contrat pour yo bay on série de différents types de produits len gade yo bay on seule catégorie de produits donc nous estimons que travail que aussi un contrat pour faire yo pas faire laisse à nous-mêmes nous faire des recommandations te dit déjà moi pas ca citer non dans présentation que m'a fait là parce que nous faire des recommandations pour enquête judiciaire donc son enquête pénale
qui pral gagner pour expliquer tout ça yo pour gain liberté pour citoyen moun yo, mais commission en lui-même li obligé protéger identité de moun en attendant enquête pénale là ouverte. Merci beaucoup.